Payot. Et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque Page. Niccolò Ammaniti nous avait habitués à des romans intimistes sur l'adolescence et voilà qui nous offre une comédie des mœurs au rythme retentissant. Maria Cristina Palma est l'épouse du président du Conseil italien. En fait, elle est la première dame de l'Italie. Elle vient de recevoir d'être élue la plus belle femme du monde. Et ce roman qui va se passer sur 7 jours va l'impliquer dans 2 choses. La première, c'est qu'elle va accepter, contre le conseil de tout le monde, de parler avec une journaliste, parce qu'évidemment, comme elle est belle, on ne lui fait pas confiance. Et la deuxième chose, c'est qu'elle va recevoir une vidéo d'un de ses premiers amours qui filme leurs ébats. Elle a évidemment peur que cette vidéo figure sur les réseaux sociaux. Ce que j'aime beaucoup chez Niccolò Ammaniti, c'est qu'il a une connaissance de l'humain. Ses romans sont presque des romans sur la systémique et la sociologie. Et quand il nous offre ça dans une comédie, ça devient une merveille. C'est en même temps un roman dans lequel j'ai beaucoup ri, et puis c'est en même temps une histoire d'amour. Un roman que je conseille à tous. C'est drôle, c'est intelligent, et c'est même un roman d'amour. Au revoir! Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque Page.